Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous encore aujourd'hui. Nous continuons avec la fin des temps. Nous, avec l'église de Sardes, aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3, nous lit verset 1 qui dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La fin des temps, c'est le moment où nous avons besoin de réfléchir. À l'église de Sardes, Christ est voué message ça. Et le sujet de nos matins, c'est des informations importantes pour la fin des temps. Moment où Christ a parlé avec Jean là, c'est le moment où la ville de Sardes était en déclin. Mais c'était une ville très riche. Une ville qui a une très bonne réputation. Et tu as gagné un pile luxe dans la ville. Ça. Et tu as gagné une déesse. Et à cause de ça, tu as gagné un pile immoralité dans l'adoration de la déesse. Donc Christ a averti mon yo, même je l'ai averti nous aujourd'hui, pour nous éviter yon bonne bagay, parce que yon moment où yon lot, trompette la kason el vini. On va apprendre quelques vérités dans le texte. D'abord, information sur la personne de Christ. Verset 1 il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits et les sept étoiles. Les sept esprits, Christ présente-les comme le maître de toute autorité spirituelle. Il gagne la totalité de la connaissance spirituelle, la totalité de l'autorité spirituelle. Les sept esprits de Dieu. Pas rien qui a échappé à connaissance-les. Il y a un pouvoir. On m'a dit, dans la ville, il y a une déesse qui a adoré. Il veut dire que c'est moi-même qui gagne capacité, qui gagne qualité pour adorer. Parce que je suis supérieur à déesse. Il présente comme monde qui kembe dans l'église. La totalité des églises qui kembe dans l'église. C'est-à-dire que membre yo yo nan mel. Nous ne pouvons pas bailler Jésus comme on dit à mon yo, Zanana pour pingouin, parce qu'il connaît nous. Il connaît nous bien. Il connaît comment nous vivre, comment nous parler. Il connaît en de l'église. Il connaît tout côté passé. Tout bagaille dans mêle. Il a la totalité de la connaissance. Et information numéro 2, c'est précaution. Nous besoin prendre. Moun qui attend la fin yo, précaution que besoin prendre. Précaution avec œuvre yo. Dans verset 1er il dit je connais tes œuvres. Me connais qui soit fait, me connais action yo. Me connais soit fait chaque jour. Je connais côté où aller chaque jour. Je connais zakou yo, kon di amoun, je connais zakou yo. Je connais chaque jour qui sont fait. Mon Dieu, connon. Et le fait que je connais, ça n'a pas fait. Donc, ça a dû aider nous à faire ça qui est bien. Précaution que nous devons prendre avec la vie, nous. Il dit comme ça, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça veut dire que moun kap gade yo ou vivant. Donc ou gon belle apparence, ou gon belle prestance. Tout moun wè ou son l'église kap chante, kap adore. Yo wè ou se yon moun ki toujou l'église, ou se yon moun kap mache. Mais il dit, dans la réalité pour moi-même, moun konon mouri. Oh, ça dure. Ça moun yo wè, c'est pas ça. Moun nan yo wè, c'est pas ça. Moun yo wè ki gen bib nan men, moun yo wè kap pale, c'est pas ça. Mais moi-même, moi des ossements. Christ connaît.
Est-ce qu'on est vivant matin? Christ connaît, est-ce qu'on mourit? Précaution qu'on doit prendre avec la vie. Précaution qu'on doit prendre avec le temps. Il dit comme ça, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant. Dans le moment où on vit là, on a besoin de vigilant. Parce que la vie fragile, ou qu'à mourir, qu'on y a là, ou qu'à venir, qu'on y a là. Précaution que nous avons besoin de prendre avec temps. Racheter le temps, mes amis. Profiter de moment ça. Moment pour accepter Christ, c'est qu'on y a là. Moment pour remédier la vie, c'est qu'on y a là. Pour aider la vie à Christ, c'est qu'on y a là. Moment pour abandonner le péché, c'est qu'on y a là. Moment pour prendre main ou pour suspendre, mettre vieux bagages dans le commerce ou à, c'est qu'on y a là. Moment pour bailler bon Dieu place dans le mariage ou place dans la vie ou place dans la famille ou c'est qu'on y a là. Soyez vigilants. Prends précaution avec le temps. Précaution avec Dieu. Quand il y a verset 2a, il dit comme ça, car je n'ai pas trouvé ton œuvre parfaite devant mon Dieu. Et vous avez dit, les mesures soient faites à l'aune de Dieu. Hey, il n'y a pas fait poids. Parole, il n'y a pas fait poids. Prière, il n'y a pas fait poids. Action, il n'y a pas fait poids. Parce que les mesures, il n'y a pas arrivé dans l'aune. Comment bon Dieu voit au matin? Comment bon Dieu voit action qu'on a posée au matin? Prends précaution, frère. Il y a mesuré message à l'aune de Dieu. Prends précaution, passe. Il y a mesuré message à l'aune de Dieu. Prends précaution, businessman moyo. Il y a mesuré action yo, business yo, bagay yo à l'aune de Dieu. Est-ce que bon Dieu a pris plaisir? Numéro 3, la prise de décision. La prise de décision. Décision que nous prenons, verset 2, il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Dans verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Songez, comment on te compte garder parole, mon Dieu. Comment on te recevoir la parole de Dieu. Relation qu'on te gagne avec bon Dieu auparavant. Décision qu'on doit prendre. Retourner à relation ça. Il dit, réponds-toi. Font vol de face. Retourner dans la première relation. Il dit, sois vigilant. Veillez. Verset 3. Veillez. Veillez. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ma venue tant qu'on volait. Il est important matin pour veiller. Veiller sur ce qu'on fait. Veiller sur ce qu'on attendait. Veiller sur les amis qu'on gagne. Veiller sur l'action qu'on a posé. Veiller sur ce qu'on a poilé. Pas jouer avec eux. Parce que l'on n'a pas pensé Christ qui a venu. L'on n'a pas pensé. Trompette la cassonne. L'on n'a pas pensé l'église a enlevé. Est-ce qu'on va aller? Prends une décision matin pour veiller. Prends une décision matin pour valoriser la parole de Dieu. Il dit, songez, je vais garder la parole. Pour valoriser la parole de Dieu. Tendez ça, la parole de Dieu dit. Pour qui ça a besoin de faire ça? Dans verset 3a, il dit, je viendrai comme un voleur. Le Christ qui a venu de bagaille, il a venu avec un jugement. Il a voyé un jugement sous un jugement terrible. Ou bien, ça qui arrive trop personnel, vini. Veillez. Veillez. Évitez le jugement de Dieu. Pas d'excuse pour vous. Le verset 4 là dit comme ça. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi. Ils n'ont pas souillé les vêtements. Ils ont dit qu'ils ont été propres. Ou pas une excuse parce que même côté où il y a des hommes, il y a des femmes de Dieu qui étaient dans la sainteté, dans la pureté. Ou pas une excuse. Au contraire, ou un modèle pour ta suivre mon sa yo. Numéro 4, pour finir, le paiement de Christ. Le paiement de Christ.
information que bon matin le paiement de Christ. On marque ça, Christ dit comme ça. Et moun sa yo, verset 4 là, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils a marché avec rad pur parce que yo digne. Marcher en vêtements blancs. Quel honneur! Quel honneur! Les vêtements blancs, ça, c'est Christ qui baille. Gros cadeau, Christ pour le faire ou dans grand joie. Regardez, la habillé en blanc. Les enlever l'église, nous allons marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est une communion parfaite. Marcher avec lui, c'est une relation extraordinaire. Marcher avec lui, c'est plus grande valeur. C'est un cadeau, plus gros cadeau que tu es capable de faire à un monde. Quand on va marcher avec lui, il faut que vous abandonniez le péché. Abandonner la vie d'hier. Abandonner la vie de ce monde. Abandonner les bagailles qui salent pour prendre une décision pour marcher avec Christ. Paiement de Christ la permet de marcher avec lui. Paiement de Christ la boy en vêtement blanc. Paiement de Christ la honoré ou avec belle robe blanc ça. Paiement de Christ. Dans verset 5 là, 5b, il dit comme ça, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Alors il faut nous prendre précaution avec verset ça. Là, elle a parlé de citoyenneté. Là, il est question d'assurance. Question d'assurance. Parce que dans l'histoire, les anciennes villes te gagnent un livre. Et que chaque monde qui est dans la ville là, non écrit dans les villes là. Et toutefois, où tu as fait un bagage qui sale, tu as mis tout dur dans la ville là. Ça ne veut pas dire que c'est comparable à la livre de vie, à les gens font péché. Donc, bon Dieu va le retirer, non. Mais son comparaison qu'il fait, parce que là, il a parlé d'assurance. Donc, assurance qui gagne, non, écrit dans le livre de vie, et il a pour tout temps, il a éternellement. Comparable à ville, yo, leur font péché, yo, effacer non dans le livre de vie et ville là. Mais là, pour le livre de vie, nous parlons là éternellement. C'est comparaison ça que ça fait. Il bail assurance à tout le monde qui aime le bio propre, à tout le monde qui a marché avec lui. Non, il n'y a pas besoin d'effacer dans le livre de vie. Est-ce que vous citoyen dans le ciel là, eh bien, citoyen, tu es assuré? La personne de Christ, c'est le maître de toute autorité. Non, tant de la fin ça, rester attaché au maître de toute autorité. Précaution que nous besoin prendre. Avec ça n'a fait yo, avec vie nous, avec le temps, profiter de ce temps. Décision que nous devons prendre, repentir, veiller, parce que Christ est capable de venir n'importe quel moment. Valoriser la parole de Dieu. Et puis paiement. Christ pour le bail, il va le bail nous robe blanc. Il va le permettre nous marcher avec lui. Et lui assurer nous, non nous pas retirer dans cahier, dans livre de vie. Que bon Dieu l'amour, il est capable garder nous, capable bénir nous. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.